Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, moi c'est Ivana et bienvenue sur cette magnifique chaîne. Je t'invite à t'abonner, à liker mes vidéos et c'est parti. 4, 3, 2, 1. Alors aujourd'hui, on va faire un petit haul parce que j'ai fait des achats quand j'étais pas là. Mais je vais pas tout vous présenter, je vais juste présenter les articles qui m'ont marqué, tu vois. Du coup, on vous montre ça tout de suite. On va commencer par les hauts. Alors, les premiers hauts, c'est ceux-ci. C'est ceux-là que j'ai eu sur mes têtes. C'est un lot en fait, un haut de petits lots qui font. Un lot de petits hauts qui font. Qui sont en mode corset. Bon, comme ça, vous voyez. Il y en a un marron là et un bleu. Moi, je préfère le marron là. Mais je trouve les deux, ils sont très bien. Et ça avec une petite jupe, un petit gilet, tout ça, c'était trop bien. Et je les avais eu. Je sais plus, je vous mettrai, je vous l'afficherai quelque part. Ensuite, c'était quand? Je sais même plus, mais j'étais allée dans une petite boutique qui s'appelle Mosaïque à Toulouse. Et c'est comme c'est vraiment comme à Emmaüs, il y a de la vaisselle, tout ça. Et c'est pas très cher. Du coup, j'ai trouvé ce petit pull qui m'a bien plu. Genre il est bimatière en mode pull devant et genre devant c'est comme ça, ouais, genre en mode t-shirt. J'aimais trop. Je le trouve intéressant, il m'a coûté 4€. Du coup, c'est trop hâte de le mettre. Ensuite j'ai trouvé deux petites vestes en mode, vous savez les vestes qu'on portait en mode en 2014 là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, genre les vestes militaires un petit peu là, mais bien serrées, bien serrées. Du coup j'en ai trouvé une comme ça. Celle-ci d'abord, que j'aime trop, j'ai l'impression d'être une d'être un agent secret, je sais pas pourquoi, ça me donne cette vibe en fait, mais j'aime beaucoup, en plus c'est cintré à la taille, je vous promets que ça fait une silhouette toute mignonne, toute sympathique, quoi. Ensuite j'ai trouvé celle-là dans une petite ressourcerie qui me rappelle une veste que j'avais quand j'avais 15 ans, quelque chose par là. Et vraiment je la kiffe, elle a des poches ici. Comme ça, tac tac tac. Et je la mets souvent avec ma jupe verte. Comme ça je fais un ensemble. Et avec mon sac vert, comme ça on dirait que genre je sens de l'armée, tu vois. Genre ça me donne cette vibe en fait. Mais kiffe. Et je l'avais trouvée aussi pareil, 3-4€, un truc comme ça. Très sympathique. J'avoue elle est un petit peu trop grande pour moi. Mais ça c'est parce que j'ai grossi. Hein. En ce moment j'aime trop manger, en ce moment je mange tout le temps, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, genre je remplis un vide, mais je sais pas, j'ai trop faim, genre je mange tout le temps. On va parler un petit peu de jupes. Donc j'ai trouvé, bon, j'ai 4 jupes à vous montrer. Alors en premier on a celle-ci que j'avais trouvée sur Vinted, elle est trop belle, elle est trop bien, c'est une OHDD, j'aime bien le fait qu'elle ait une chaîne comme ça. Donc tu peux l'enlever et tout. Je sais pas, j'aime. C'est grave stylé. Ensuite, nous avons cette très longue jupe. Qui est transparente aussi, genre je viens de le remarquer. Mais je l'aime trop, elle est trop bien. C'est une H&M. Je sais pas, on dirait que le logo il est très vieux. Mais je l'ai trouvé aussi en ressourcerie. Elle m'avait coûté 2-3€, quelque chose comme ça. Je l'avais trouvé en même temps que... Il est où? Non, en fait. Ensuite, nous avons cette jupe. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais c'est une jupe en mode dessin animé comme ça. On dirait trop une jupe que les Total Space elle pourrait porter, tu sais, avec un petit haut et des petites tongs à plateforme. Un petit look sympathique. Cette jupe, elle m'a coûté 1€. 1€ sur Vinted. Est-ce que vous vous en rendez compte? Vraiment quelque chose. Et en fait le problème c'est que je voulais trop la mettre, genre je l'avais acheté cet hiver là en décembre, je voulais trop la mettre mais je trouve qu'elle passait pas du tout avec avec les vêtements d'hiver, donc je trouve ça dommage, ça m'a rendu triste. Du coup j'ai trop hâte qu'on soit en été pour pouvoir saigner ma jupe, même si j'avoue j'aime pas trop le rose là, ce rose, je sais pas, il me rappelle l'école quand on était au primaire et tout, je sais pas, j'aime pas du tout ce rose. Mais je trouve l'ensemble ça va. Après si je veux je pourrais l'atteindre
ça dépend de la matière. Ensuite, nous avons une jupe que je porte là sans moi, que j'aime beaucoup. Je vous mets les images là. Et je l'avais trouvé aussi en ressourcerie. Pareil, 2-3 euros, vraiment pas cher. J'aime bien le fait qu'elle ait une grosse boucle là. Sauf que le problème, c'est que la boucle, elle est un peu cassée, je pense. Il y a un souci. Souci de fonctionnement. Ensuite, on va passer au pantalon parce que j'ai deux pantalons là. Bah, j'en avais d'autres aussi, là, mais mes deux pantalons. Alors, en premier, j'ai celui-ci qui est un Guess. Il est très bien. J'aime beaucoup la matière. J'ai eu pas cher. Je crois que c'était à 10 ou 8 euros. Vraiment pas cher. Rien du tout. Il a des poches là. Là, tu vois. Ensuite, attendez, parce que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prête. Je cherche ce pantalon depuis la nuit des temps, depuis que... Bah, il faut savoir que je suis une très grande, très grande fan de Dwayne Brunson. C'est ma chanteuse préférée, je l'ai connue quand j'étais toute petite. J'avais des DVD que je regardais tous les jours ses clips pour les apprendre par cœur. Dans ma petite chambre là, j'avais une télé et tous les jours je mettais son DVD là. Je regardais tout le temps et du coup je suis trop fan. Et il y avait particulièrement le clip de ce clip là, je vous mets là. Voilà cette tenue, tu vois. Une tenue vraiment digne d'une star. Du coup j'avais trop flash sur le pantalon et... je me suis toujours dit, ouais, j'aimerais trop avoir ce pantalon, j'aimerais trop. L'année dernière, je l'avais trouvé, sauf que la vendeuse n'était pas là. Je sors Vinted, la vendeuse, ça faisait 1000 ans qu'elle n'était pas venue sur Vinted. Du coup, j'ai laissé tomber. Et un jour, comme ça, par hasard, je joue Vinted et je vois ce pantalon. Et je me dis, quoi? Non. Et du coup, maintenant, j'ai le pantalon. Bah, je sais que c'est pas le même, hein, mais vraiment il a des airs. Et le pantalon Tony Braxton. Maintenant je peux faire ma star, et maintenant je peux faire les courriers, et maintenant je peux. maintenant je suis trop contente. Voilà. Enfin, pour terminer ce haul, on va passer aux accessoires. J'ai 4 accessoires à vous montrer, donc c'est parti. En premier, on a ce petit sac qui est très mignon, très kawaii. J'aime beaucoup, il est très grand, tu peux tout mettre, hein. Je te jure. J'ai un gros livre comme ça, je le mets, ma bouteille, mon porte-monnaie qui est énorme. Tout. Tu peux même mettre ta trousse de toilette dedans. En tout cas, trop bien, je l'ai trouvé en ressourcerie. Il était vraiment pas cher aussi, 3-4 euros, je sais même plus. Ensuite, toujours à la ressourcerie, j'ai trouvé cette petite casquette en mode... C'est qui porte des casquettes comme ça, genre en mode Lola, en mode Amel Bent et tout, tu vois, genre... Je peux pas la mettre là parce que j'ai pas envie de détruire ma coiffure. Mais pas cher aussi, je crois. 1 euro, 2 euros, mais genre que dalle. Et j'avais trop peur qu'elle m'aille pas parce que d'habitude les chapeaux ça ne me va pas vu que j'ai une grosse tête. Et là j'étais trop bien quand je l'ai reçu. J'étais trop bien quand je l'ai essayé. Je suis là, ouais. Amen. Ensuite, nous avons une paire de petites boucles d'oreilles de l'atelier Zaillé. J'aime trop cette boutique, genre vraiment, Anne-Sophie là, t'es trop mignonne, t'es trop belle, t'es trop sympa. Ouais, et j'aime trop acheter ces boucles d'oreilles, elles sont vraiment... Regardez-moi ça. Elles sont vraiment trop bien, et j'en ai encore deux, mais j'aimerais trop en avoir plus, hein. Donc quand j'aurai des sous, je vais essayer d'en prendre une autre paire, on verra. Et pour terminer le clou du spectacle, nous avons cette paire de lunettes. Dior que j'adore. Je l'ai trouvé sur Vinted aussi. La vendeuse elle vendait pas cher, je crois que c'était à 25 euros. Ou moins, je sais même plus. Ouais, 25 euros. Très sympa. Elle me les a livrées dans une petite boîte Versace là. Et franchement, je les aime beaucoup, je les aime bien. Je trouve la forme elle me va pas trop, on va dire. Genre, je suis pas habituée à voir. Genre, ça m'écrase le visage et le nez, je sais pas. Mais j'aime bien en fait, ça fait très... trop Charlie's Angels, genre, Jennifer Lopez, tu vois.
j'aime trop. Imaginez-moi cet été là, il fera chaud, je serai là avec mon... Ah, je vais m'acheter un maillot de bain année 2000 là, en mode... Comment ça s'appelle, tricky là. Vous savez les trucs qu'elles avaient à l'époque là, comme ça, je vous mettrai plein de photos là. Je vais acheter un truc comme ça et je vais mettre mes petites lunettes et je serai là. Avec mon petit cocktail à la main là, purée, je crois que... Moi j'aime trop l'été là, ça me saoule. Genre j'aime trop crever de chaud en fait. Genre j'aime trop la canicule ça, et c'est pas possible. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait plaisir. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Et on se retrouve très bientôt, très vite. Bisous.